Bonjour, c'est l'histoire de Juliette. L'histoire de Juliette. Il y a une petite fille. Elle s'appelle Juliette. Juliette habite à Paris. Juliette habite à Paris. Et Juliette veut un animal de compagnie. Juliette aime les animaux. Juliette aime beaucoup les animaux. Et Juliette veut un animal de compagnie. Juliette décide d'aller à l'animalerie pour trouver un animal de compagnie. Juliette visite l'animalerie. Juliette regarde dans l'animalerie et elle voit un oiseau. Juliette regarde l'oiseau. L'oiseau est très beau et multicolore. L'oiseau est curieux et intelligent. Juliette pense, ah, j'aime l'oiseau. Est-ce que je veux un oiseau pour mon animal de compagnie? L'oiseau est très bruyante. L'oiseau est très bruyant. Oh là là, pense Juliette. Je n'aime pas les animaux bruyants. Je ne veux pas un oiseau. Juliette continue à regarder dans l'animalerie. Elle voit un lézard. Le lézard n'est pas grand, n'est pas petit. Le lézard est moyen. Juliette aime le lézard. Le lézard est intéressant. Le lézard est amusant. Juliette pense, est-ce que je veux un lézard pour mon animal de compagnie? Le lézard mange des insectes. Juliette n'aime pas regarder le lézard manger les insectes. Juliette pense, burk, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je ne veux pas un lézard
pour mon animal de compagnie. Juliette continue à regarder dans l'animalerie. Elle voit une tortue. Elle aime les tortues, mais elle pense « Les tortues sont ennuyantes. Je ne veux pas une tortue. » Pauvre Juliette, elle a regardé dans l'animalerie et elle n'a pas trouvé un animal de compagnie. Maintenant, Juliette n'est pas contente. Juliette est triste. Elle retourne à la maison. Elle retourne à la maison et devant la maison, elle voit la poubelle. La poubelle. Elle voit la poubelle et il y a quelque chose dans la poubelle. Qu'est-ce que c'est? Juliette regarde dans la poubelle et elle voit un chat. Il y a un chat dans la poubelle. C'est un petit chat. Le chat a froid. Le chat a faim. C'est un pauvre petit chat. Juliette pense, oh, c'est un joli petit chat. Je veux un chat pour mon animal de compagnie. Alors, Juliette prend le chat dans ses mains et elle caresse le chat et elle dit, maintenant, tu es mon chat. Tu es mon animal de compagnie. Et maintenant, Juliette est content. Et le chat est content aussi.